Là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il joue au foot, quoi. Pas tout le temps, en tout cas. Quand tu vois la manière dont les parties sont gérées, dont les résultats sont gérés, à 1-0, on arrête de jouer, à 1-1, on se contente du résultat nul, à 0-0, on bouge pas. Pourquoi? Parce qu'une victoire, ça vaut tant, un match nul, ça vaut tant, et une défaite, ça vaut tant. Qu'est-ce qu'on entend quand on est devant la télé et que les mecs s'emmerdent? Mais jouez! Jouez au foot, bordel! Voilà, jouez au ballon, quoi! Et par lui-même, le fait de jouer au foot, déjà, ce sport-là, par lui-même, si on le pratique honnêtement, ludiquement, ça provoque de l'émotion, c'est obligé. Parce qu'il va se passer quelque chose, c'est obligé, il va se passer quelque chose. Oui, il est parti. Tiens, quoi jouer? Putain de merde. Allez, regarde, regarde. Il y a un but. Voilà. Regarde, putain, Djorkaeff. Aïe, 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 aïe. Oh la gueule! Aïe, il y a but! Il y a but pour l'Arménie! Ah bah c'est pour l'Arménie! C'est moi qui arrive, il est là! C'est pas vrai! C'est pas vrai qui arrive! Excellent! Oh putain, là ça va être beau! Deux buts, minimum de buts! Moi je peux pas regarder le sport seul. Il faut qu'il y ait un partage immédiat. Immédiat de l'émotion, immédiat de l'événement. C'est une démarche, quoi. Là, je vais voir, bon, je vais voir un match. Donc il y a une préparation, ça. Il y a un match, on se déplace, on va voir l'autre, on frappe, on entre, on entend l'ambiance, les copains arrivent, et ça y est, on partage l'événement. Devine qui c'est. Non, vous oh mon Dieu, Fonchon. À 20 minutes, 11 secondes, il y a 1-0 pour l'Arménie. Ouais. Et non. C'est pas un gag depuis la 4ème minute. Mais oui, ouais. Man, ça fait 1-0. 1-0. Le syndrome d'Israël. J'éprouve un certain plaisir à nous retrouver ensemble, à voir ces matchs. Parce que je sais qu'il y a des choses qui s'y disent, des choses qui s'y passent, des réflexions qui fusent. Ils sont en difficulté, hein, quand même, France, c'est sûr. Mais ils sifflent là ? Non, c'est sûr. Ces diables de dribbleurs arméniens. Ces renards des surfaces. Oh, les gars, c'est toutes faites. Ces furets des ronds centraux. Ces fennecs de la ligne du 18. Ces fuines des 6 mètres. Ces ragondins des points de pénalty.